faire aujourd'hui d'eau de cabillaud à la plancha, avec une petite sauce au lait de coco, tout ça accompagné de petites asperges vertes. Alors on va faire ça sur le petit barbecue qui est derrière moi, l'icône, et on va positionner par-dessus l'accessoire plancha. Alors tout d'abord, pour la marinade du cabillaud, c'est extrêmement simple, 4 ingrédients. 15 cl de lait de coco, le jus d'un citron, de la sauce Nokmen, environ une cuillère à soupe, et du piment de Cayenne, mais nous on est dans le sud-ouest, donc ça sera du piment d'Espelette, une pincée. On va mélanger tout ça, et on va venir laquer, et on va réserver ça pendant 1 euro frais. Vous avez vu, extrêmement rapide pour allumer avec le monolighter, en moins d'une minute. Pendant ce temps, je vais enlever le couvercle du Kamado et je vais installer la plancha. Et le petit bac pour réceptionner les graisses. Et on va laisser monter ça en température. Alors ça y est, ma plancha est bien chaude. Les asperges ont été pré-cuites à l'eau gazeuse, juste huilées, salées et un peu de piment d'Espelette. Donc là on voit qu'elle commence à prendre une belle couleur, la température est vraiment très bonne là sur la plancha, c'est bien bien chaud. Alors d'abord je mets un petit coup d'huile d'olive. Ça sent bon. Donc voilà, on doit atteindre une température interne de 55 degrés. Je ne l'ai pas tout à fait atteinte, mais je préfère l'enlever un petit peu avant pour éviter la surcuisson. Écoutez, c'est parfait, je vais venir finir de laquer mon poisson avec un petit peu de sirop d'érable. Voilà, comme ça, en même temps, mon poisson termine sa cuisson. Et on n'oublie pas Laurent qui doit être en confinement. Laurent, tu m'entends? Ah, c'est mieux comme ça. Salut les amis, salut Pierre. Entertainment. Ah, ça me fait plaisir que tout aille bien. Alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un commentaire et on s'abonne.